C'était quoi le groupe tout à l'heure, chanter, tu nous as dit, c'est le Aïn Alef, Aïn Alef. C'est, nous on chante toujours Géoula Machia. C'est la Géoula. Puisqu'on est Fabrigaine, on est dans la continuité de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, Zayin Adar. Et on sait, comme le Rabbi le rapporte, que tout le mois de Adar, la puissance du mois d'Adar, les miracles qu'il y a dans le mois d'Adar, la transformation de tous les sujets qui sont le contraire du bien en bien, mamash, mais au-delà des merveilles, c'est tout ça grâce au fait que Dieu il nous a fait mériter de faire naître le libérateur, Moshe Rabbeinu, le Zayin Adar. C'est-à-dire toute la puissance du mois d'Adar, qui va y avoir même plus tard ou avant, c'est grâce au fait qu'un jour, Dieu va faire naître Moshe Rabbeinu, le libérateur. Alors c'est intéressant parce que souvent le Rabbi rapporte qu'on va passer de la Géoula de Adar à la Géoula de Nissan. Alors, puisqu'on sait que le mois d'Adar, comme on vient de le dire, la puissance, elle vient de par rapport à Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est le mois d'Adar. Dans le mois de Nissan, c'est la naissance du Rabbi. Donc on retrouve la Géoula de Adar par Moshe Rabbeinu, le premier libérateur, et en même temps le dernier libérateur. Et Nissan, que c'est le mois où on va, comme c'est rapporté, c'est au mois de Nissan qu'on a été libéré, et c'est au mois de Nissan qu'on sera aussi libéré pour la Géoula Mitzvah Shlema. Et donc on retrouve donc que toute la puissance du mois de Nissan aussi, elle vient par le fait que le Rabbi Melech HaMashiach, il est né Yud Alef Nissan. Donc on retrouve ça pour les deux libérateurs, qui sont les mêmes en vérité au final. Alors je voudrais raconter une anecdote, comme ça, ça me vient, extraordinaire, qui s'est passée il y a quelques temps, depuis l'année dernière. On a fait souvent les Fabringen, surtout l'été, dans le quartier du Rabbi à Paris, au Marais, à rue des Rosiers, pavé, en tout cas le quartier du Rabbi, notamment chez notre frère Pitzman. Mais on avait commencé avant d'aller chez Pitzman, on avait été dans la rue des Rosiers pour faire Gimel Tammuz. On a fait une grande fête en l'honneur de Gimel Tammuz, d'accord? Et ce quartier, moi je l'ai toujours, c'est quelque chose de spécial. Parce que quand je vais là-bas, je ressens vraiment, comme quand je suis au Selan Selanti, dans la rue. Quand je marche sur le trottoir, je dis, Rabbi, il a marché là. Incroyable. Est-ce qu'il a marché là? Il a dû rentrer là, c'est pas possible. C'est spécial là-bas. Il est venu ici, là, dans ton Oui.
Sûrement. Mais il est là, Rémi. Alors, on a fait donc beaucoup de Fabrignens tout l'été. C'était une merveille. Les filles le mercredi avec les princesses d'Aguila et les princes le jeudi. Et en hiver, c'était plus compliqué avec les garçons parce que il faut se garer, c'est vraiment une tannée le soir. C'est vraiment un quartier tellement numéro un à Paris. Écoutez cette merveille. Écoutez cette merveille. Ok, alors. Écoutez cette merveille. Donc, maintenant, je demande à Rav Yitzhak, mon Rav. Je lui dis voilà, les garçons, c'est compliqué pour eux. Il m'a dit ok, il m'a dit je comprends. Il m'a dit par contre vous gardez le Fabrigen avec les princesses d'Ageoula. Il faut garder dans le quartier du Rabbi chez Pitzman. Pas les femmes, il m'a dit ça, écoute bien. Donc j'annonce voilà. Que nous on va rester là-bas avec les femmes. Maintenant, comme avant je faisais à place des fêtes au Selan Selanti, depuis longtemps, il y a des femmes qui me disent David, depuis que tu fais au mari, on ne peut plus venir. Parce que ça nous rajoute une heure de transport. Ouais, le mari, toi, c'est... Regardez, il parle en plus formellement que c'est lui qui parle, ça tombe C'était bien. Pour un instant. Regardez, donc bien. Je dis ok, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine, je dis ok, les autres, elles sont là. C'est les plus anciennes. Je vais retourner là-bas pour elles, parce que c'est pas normal, tu vois. Donc je recompte place des fêtes, et puis il y a le chef du Rabbi au 770. Ah. C'est mon endroit, bah, au Hachem, c'est l'endroit du Rabbi, bien sûr. Donc moi j'aime bien ces deux endroits parce que c'est le Rabbi, tu vois, pour moi, pour nous, quoi. Et donc on fait une fois sur deux là-bas, tu vois. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai décalé deux fois parce qu'il y avait deux dates féeriques, on a fait au 770. Et le dernier qu'on a fait au 770, c'était le Chav Bet Shvat, parce que ça tombait mercredi. Donc c'était magnifique, on était au 770, tu vois. Donc on a fait Fabrigen et il y a une dame qui a une canne. Pour l'instant, on ne l'aura plus. Oui. Mais elle vient tout le temps Fabrigen quand on est au Marais. Et exceptionnellement, elle est venue parce que c'était Chav Bet Shvat. Elle est venue place des fêtes. Elle est venue. Bon, je lui dis, vous êtes venue jusqu'à là? Elle m'a dit oui, parce qu'aujourd'hui, c'est Chav Bet Shvat. Je vous faisais ici. Je lui dis, là, je ne peux pas. Je n'ai pas le choix. J'y vais. Et elle me dit, j'ai un message à vous transmettre de Monsieur Journeau. Il m'a dit de vous dire. Monsieur Journeau, c'est marrant que tu dis ça. Sran. Tu dis Monsieur Journeau, lui, il s'appelle Journeau. Monsieur Journeau. Tu regardes chez Spécial. Là, j'étais à Place des Fêtes, au 770. Il m'a dit de dire, comment que ça se fait, vous n'êtes pas venu. Comment que ça se fait, vous n'êtes pas venu. Alors, j'ai dit, ok, j'ai compris le message. Il dit, mais il y a des... Elle m'a dit, oui, mais non, vous devez être là-bas. Non. J'ai dit, je sais, mais les filles, elles m'ont dit, parce que ça fait longtemps qu'elles ne viennent pas. Écoute, hein, cette histoire de fou. Écoute, Gad. Des fois, tu veux faire plaisir, regarde comment c'est. Faut faire attention avec le rabbi. Le rabbi fait plaisir à tout le monde. Mais c'est alors quand on a un ordre du rabbi, il n'y a pas à discuter. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette fille qui m'a dit et qui m'a fait aller dans son sens, qui m'a dit non, vous comprenez, si vous n'êtes plus là, je ne pourrais plus venir. Donc genre, vous me mettez dehors presque. Et que j'ai refait chez, pour elle pratiquement et pour une autre là-bas, elle s'appelle Simra. Elle part Chav Bet Shvat chez le rabbi. Ouais, Simra. Amir Iris, Achalia. Donc c'est les deux qui veulent toujours être à place des fêtes parce que, voilà. Simra Mandé. Elle, Simra qui connaît, elle était chez le rabbi, au Chav Bet Shvat. Écoutez cette puissance. Elle revient. Chez le meneur. Le mercredi suivant, elle vient au Fabrigen. Et on est au Marais. Et là, j'avais prévenu, j'ai dit non, la semaine prochaine, on fait là-bas. La dame, elle m'a dit, mon ravi m'a dit, je peux plus là. Je lui ai dit, Simra, c'est pas que je veux pas, mais. Elle m'a dit, bon, d'accord, mais je pourrais pas. Je lui ai dit, bon, écoutez. Elle m'a dit, c'est pas grave, je viendrai une fois de temps en temps tard. J'ai... Oh là là là. Non, je l'explique parce que c'est trop puissant. Elle revient de chez le ravi. Elle m'a dit, j'ai quelque chose à vous raconter de très spécial. Bonsoir. Ça m'a l'air mon chien. Non, mais on mange pas, mais on fait pas rien. On a fini de manger quoi. Alors, elle vient s'asseoir. Chaim Ivrouchel, Chaim. Simra dit un mot, elle était un peu timide, donc elle a fini par parler. Non, elle n'osait pas, c'est parce qu'il y avait la caméra et tout, tu vois. Écoutez cette histoire. Simra me dit au retour. Au retour, je suis dans l'avion, j'ai une copine avec moi qu'on s'est vue chez le rabbi. On s'est dit, on va demander une place pour être assise à côté l'une de l'autre.
Elle demande à s'asseoir à côté. Elle me dit dans la campagne où on était, c'était payant. Mais on a accepté de payer. On a vécu ensemble tout le voyage du retour. D'accord ? Elle m'a dit donc on a payé, on se retrouve assis l'une à côté de l'autre. Et comme on avait trois sièges, il y avait quelqu'un aussi assis. Donc ils ont vu que c'était une juive, ils ont commencé à parler. Et oui. Elle est de Montréal. Comme toi ? Elle est de Montréal. Non ? Et bah au Rachel. T'es pas. Alors elle est venue, elle est venue, elle est venue au Kinous, cette fille, cette dame, elle est venue, c'est une dame jeune, elle est venue au Kinous à Shlouchim, à Shlouchot. Elle est venue, elle raconte, voilà, elle vient de Montréal et tout, elle habite à Montréal et à Paris. Elle lui dit, ah bon, vous habitez aussi à Paris? Elle dit, oui, j'habite à Paris aussi, mais j'habite à Montréal. Elle lui dit, mais vous habitez où Paris? Elle lui dit, le meilleur quartier de tout Paris. Le seul quartier, le meilleur au monde, à Paris. Elle lui dit, mais c'est où ? Le plus cher. Pourquoi, vous savez pas ? Mais c'est le Marais. Oui, vous savez pas. Le quartier du Ravi. L'autre, elle lui dit, oh là là, c'est marrant que vous me dites ça. T'habites pas au Marais ? Parce qu'elle fait mon chaliard, il fait court là-bas, et il fait court à Place des Fêtes, et il veut absolument qu'on fasse là-bas, et moi j'ai dit non, je ne peux pas revenir et tout. Elle lui dit, écoutez-moi. Non. Excusez-moi, d'où ? Elle lui dit, surtout, il faut aller que là-bas et pas ailleurs. Donc je dis, regarde Simra, le rabbi, il a envoyé Dieu, il a envoyé un chliard, une chaliard dans l'avion. Elle vient de Montréal, qui est dans l'avion, pour te dire à toi, arrête d'embêter. C'est là-bas que ça doit être parce que c'est l'endroit le plus magique de Paris, le plus. Y a pas. Elle m'a dit, j'ai compris le message. Elle m'a dit, David, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai compris. Elle lui a dit, vous devez aller au Marais. C'est qu'au Marais que vous devez aller. Ah, hein. C'est pas possible. Le plus beau quartier, le quartier du Rhin. Rends compte ? C'est le 4ème arrondissement. C'est pas fini. Ouais. D'aller. Ouais, il n'a pas dit 4ème arrondissement. Il y a le rabbi. C'est là-bas. Maintenant, hier, on fait Fabringen donc avec des femmes. Carton. C'est la semaine d'après. Les tapis, on fait Fabringen. Et à un moment donné, j'ai commencé à parler du rabbi avec, par rapport à Moshe Rabbeinu et par rapport à la Nekouda qu'on connaît, qu'on a déjà appris bien sûr plusieurs fois. Que Moshe Rabbeinu, c'est quand même extraordinaire. Moshe Rabbeinu, quand il va découvrir un Kadosh Baruch Hu dans le buisson, Dieu il envoie en mission pour nous libérer, et Moshe il dit non. Oh là là. Un truc de fou. Oh là là. Moshe il dit non, il accepte pas la mission, il dit non. Il dit non, attends. Chaim, Chaim. Si, sous-entendu, je le dis avec mes mots, hein. Hein? Il a dit je suis pas capable. Non, pas du tout. Chaim. Ah non, c'est pas ça. Il a dit. Puisque Moshe il savait qu'il allait avoir d'autres exils qui allaient suivre, il a demandé à Dieu, envoie ton chaliar, que lui va les délivrer, qu'après il n'y aura plus d'exil. Donc envoie ma chia. Envoie ma chia. Il ne voulait pas faire du provisoire. Il ne voulait pas du provisoire. Et le rabbi il dit que grâce à ça, il a mérité, Moshe Rabbeinu, tellement qu'il a insisté. Oh, on enregistre là. S'il vous plaît. En live là ? Ouais. En live. Non, pas en live, mais on enregistre. En live là ? YouTube. Pour la Géoula. Alors, il a réussi à négocier, à obtenir qu'Hachem, il va accepter que Moshe, il va lui donner le fauveur pour la libération et qu'il va être aussi là pour la dernière libération. Ça veut dire qu'il va être. Lui, il a voulu dire si moi, j'ai libéré et qu'après il y a d'autres, ça sert à rien. Envoie directement le libérateur, le Goël à Kharon. Et le rabbi dit qu'il a obtenu grâce à ça qu'il va être lui le libérateur à Kharon. C'est-à-dire qu'il va être, en vérité, le Rav Ginzbourg à Manar, il a révélé que ça va être l'âme de Moshe qui va être dans le Mashiach. Oh bah oui, et il a dit que c'est le corps de David Ameller qui va être dans le Mashiach. Donc il y a Moshe Rabbeinu et David Ameller. Peut-être que le rabbi ressemble à David Ameller. Moshe Rabbeinu, c'est ça, le corps de David Ameller. Yehuda, Mashiach, Ben Yehuda. Il y a toute une sira. C'est le rabbi. Le Melech HaMashiach va être composé de l'âme de Moshe Rabbeinu, donc il est bien le premier et dernier libérateur, et de David Ameller, puisque c'est son ancêtre. Le corps. C'est le premier par rapport au corps. Ça, c'est une vidéo du Rav Ginzbourg qui est sur YouTube. C'est incroyable. Donc, ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là sur le rabbi? On a fait une heure et demie de Fabringen avec les femmes, avec plusieurs exposés, plusieurs batora et tout. Et à un moment donné, je me retourne dans le restaurant chez Pitzman et je vois un chassid exceptionnel rentré de New York.
Oh là là. Je me suis levé tellement, j'ai poussé un cri, j'ai dit Rav Gutman. Oui. Ça m'a sorti comme ça, j'ai pas pu me. Et Rav Gutman, c'est celui qui a reconnu la maison rue Dieu, du Rabbi. Ah oui. Quand il était enfant, il était là-bas. Et c'est lui qui est venu une fois reconnaître la maison pour savoir, parce que comme il y a eu des travaux, si c'était bien les gens. À cet habité, endroit-là. Cet endroit-là que le Rabbi était venu. Il doit avoir. 80. 80, ouais. Alors, je l'ai écouté en formant également. Ouais. Et il a dit qu'il a reçu un cadeau du Rabbi. Quoi ? Tu connais ça ? Non, non. Pour ses 4 ans, il a reçu un vélo. Un vélo du Rabbi ? Un vélo quand il habite à Paris. Tu vois ? Il a toujours. Non, mais je ne le connais pas. Non, non, mais non. Il a toujours. Parce qu'à Goutman, il a fait un formant le 17. Et il a dit une fois, pour mes 4 ans. 17, non, j'avais de la vie. Il a dit pour mes 4 ans, le Rabbi m'a offert un vélo. Il m'a acheté un vélo. Il est où ce vélo ? C'est extraordinaire. Il est où ? Non mais tu t'imagines ? Il est au Louvre, il est au Louvre. S'il a 80 ans, ça veut dire, s'il a 80 ans aujourd'hui, ça fait 76 ans. Donc imaginez ce que c'était un vélo il y a 76 ans. C'est non, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est comme si tu dis, il m'a offert une moto. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Ou une voiture ? Est-ce qu'il y avait des magasins de vélo ? Comment le Rabbi, ça va très loin quoi. Alors ce Rav Gutman il rentre, je me suis levé l'accueillir, je dis Rav Gutman. J'ai dit c'est Ashgara Pratit, c'est la divine providence, tu lui fais comprendre qu'on fait un chiour. Il m'a calmé, moi j'étais excité. Bon, j'ai été me rasseoir, je lui dis écoutez, on a une bracha de Dieu spéciale. Vous vous rappelez que là on a eu une confirmation que le Rabbi veut qu'on soit là. Je lui dis mais là c'est Rav Gutman, vous savez qui c'est? C'est lui qui a été missionné par le Rabbi pour la campagne Mashiach. Mondial. Oui. Ah bon. Oui, quand il vient à Paris, il mange là-bas. Avant Guimel Tammuz. Oui, avant Guimel Tammuz. C'est pas vrai. Ouais. Ouais. Et c'est lui qui était dans rue Dieu. C'est-à-dire, il était enfant. C'est lui qui a reconnu la maison puisqu'il était avec le Rabbi quand il était à Paris. Il habitait là. Et quand il vient à Paris, là, Madame Cohen, elle m'a dit en général, il vient leur rendre visite. Ah bah oui. Vous voyez. Donc Rav Gutman, à un moment, alors Odel, qui est dans notre cour, elle me dit David. Demande-lui une bracha pour nous. Je lui dis, mais c'est l'envoyé du Rabbi, c'est le Rabbi qui nous l'envoie. C'est pour nous confirmer. Alors je lui dis, vas-y toi. Oui. Elle se lève, elle me dit, j'y vais. Elle va lui parler de loin. Et le Rav Gutman, il y a une élève qui était en face de moi. Elle le voyait, tu vois, parce qu'il était en bout là-bas, tout au bout du restaurant. Et elle me disait, David, il veut pas. Je lui dis, quoi, il veut pas ? Il veut pas quoi ? Moi, je voyais pas. Alors, elle dit, il veut pas. Il veut pas. Je lui dis, mais pourquoi il veut pas, ça veut dire ? Elle était demandée une bracha pour nous. Ah. Elle voyait qu'il voulait pas. Alors, elle est revenue, après, elle m'a dit, écoutez, certainement par humilité ou quoi, il a pas voulu. Donc, j'ai pas insisté. Elle m'a dit, moi, je sais que s'il n'a pas eu le feu vert, c'est qu'il ne peut pas nous donner la bracha. Elle s'assoit. Et tout d'un coup, elle me dit comme ça. Elle me dit, attendez, je sais pourquoi, parce qu'il faut que je vous raconte une histoire, un grand miracle que j'ai eu. Je vais vous le raconter. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Elle raconte le miracle. Elle raconte le miracle qu'elle a eu, qu'elle a envoyé des lettres. Une histoire incroyable, magnifique. Qu'elle avait des lettres, qu'elle avait écrit. Elle se demandait si elle devait les déchirer ou les envoyer au rabbi. C'était une tonne comme ça. Elle va à la poste, en fin de compte, elle accepte. À la poste, elle veut les mettre dans une enveloppe. Le postier qui est non-juif, il dit, mais madame, ne les mettez pas dans une enveloppe, il risque de se perdre. Oui. Mettez-les dans une boîte. Et elle m'a dit, c'est incroyable. Il a fait attention aux lettres que j'ai écrites au rabbi, tu vois. Incroyable. Elle a vu que c'était... Et elle a envoyé la boîte et elle m'a dit, j'ai payé 26 euros, c'est... J'ai pensé à Chèvre, quoi, 26. Elle me raconte l'histoire, elle termine le mot. Le Rav Gutman, de loin, on avait oublié, nous. Il se lève, il se dirige vers nous. Il se met à côté de moi, comme ça. Moi, je me lève, je comprends pas, quoi. Il fait, je vais rapatite. Et il nous dit un mot. Alors qu'avant, il ne voulait pas. Elle a dit, il faut que je dise ça, parce qu'il ne voulait pas, parce que je n'ai pas encore dit de miracle. Elle raconte, il dit le dernier mot, il se lève, il vient à côté de moi. Qu'est-ce qu'il dit comme mot? Je vous assure que c'est vrai. Vous sonnez-nous. Les mots que j'ai transmis au Fabringen en disant que le Rabbi Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu qu'il envoie le libérateur, le dernier, tout de suite, parce que ça va être la Géoula et qu'on n'attend plus du tout. Ce qu'il a dit. Et qu'il a obtenu que ça. Il répète ça, mais il n'était pas avec nous au Fabringen. Il n'était pas là, il en a parlé une heure et demie. Qu'est-ce qu'il a dit en fin de compte? Et il a dit exactement ça, il nous a dit ça en hébreu. J'ai dit, vous avez vu, on a eu le tampon. On a eu le tampon. On est bien dans le Makom, Maroukh Hachem.
où le rabbi veut qu'on soit et on ne sait pas pourquoi. C'est pas fini. Pour les femmes. Je dis, attendez, il y a une dame qui vient de en retard à la fin. Je lui dis, on est obligé de partir parce qu'à 7h, il y a une réservation. Ils nous ont prévenu dès qu'on est arrivé. De 30 ou 40 personnes. Donc moi, j'avais dit aux garçons, ok, on est prêt. J'ai fait cavote, tu vois, pour eux, parce qu'ils sont tout le temps là. On était prêts un quart d'heure avant. Et s'ils nous disent on y va, on y va. On fera juste à la Myria. On attend, comme ça. Cette dame, elle arrive, je dis, mais c'est la fin. Elle me dit, comment c'est la fin? Je lui dis, oui, il y a eu une... Elle me dit, non, mais dites-moi un petit mot. Je dis, alors attendez, je sors mon téléphone, je fais un yom à Géoula, Géoula, que je reçois les restes d'Israël. Je lis le message, je lui dis, c'est trop beau, le rabbi dévoile, par rapport au Rambam, et lorsqu'il va s'élever un roi de la maison de David, tout le Inyan qu'on connaît pour l'identité du Mashiach, mais là dans le message, il dit une chose merveilleuse. Il dit que de ces. Pour reconnaître l'homme qui est le Mashiach, par rapport au travail qu'il doit faire, quand il va s'élever, qu'il est au Geba Torah, et qu'il va faire ramener tous les enfants d'Israël à Hachem, et qu'il va. Et qui va, je crois qu'il y a Rapaster, et qui mina Shamaim, et qui va faire les guerres de Dieu. Et là, il ramène trois enseignements, le Rabbi, et il dit que c'est trois choses de Rabbi, le Machia les a fait, Baruch Haba. C'est trois choses de Rabbi, le Rabbi les a fait. Un, c'est quoi? Lorsqu'il s'élève, il va s'élever un homme de la descendance du roi David, c'est quoi? C'est un travail sur lui-même. Ça veut dire qu'il fait ça, c'est ce qui existe. Mais en même temps, ça veut dire qu'il fait un travail sur lui-même. Deuxième travail, il ramène tous les exilés. C'est un travail sur autrui. Et troisième travail, il fait les guerres de Dieu, c'est qu'il transforme les nations.